c'est ça, j'ai partagé tantôt un témoignage au pasteur. Vous savez, le Seigneur est en train d'agir. C'est même si tu ne vois pas qu'il est en train d'agir. C'est, il y a une dame, la sœur Michel, à qui je voulais donner une étude biblique. Et là, on avait commencé, il y a cela quelques mois. Et j'allais là-bas une fois par semaine. Mais j'ai réalisé que, bon, c'était un peu difficile parce que cette dame-là, elle a des enfants. Et quand j'arrivais le soir, elle était fatiguée, les enfants. Elle avait soif. Elle voulait, mais c'était difficile. Elle s'endormit même pendant l'étude biblique. Mais une fois, elle m'a demandé, écoute, pasteur, j'aimerais juste que tu pries pour moi. Est-ce que tu peux imposer ta main sur ma tête? Bon, là, j'ai imposé la main sur la tête. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais j'ai dit, ok, je vais juste prier. Et j'ai prié, je ne savais même pas pourquoi je priais. Et là, j'ai commencé à prier, j'ai prié au nom de Jésus. Peu importe la maladie, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Et après, je n'ai rien ressenti. C'était correct. Après, j'ai continué mon étude biblique. Mais quelques temps après, bon, on a dû arrêter, mais on est en train de regarder une horaire pour pouvoir manger cela. Mais des mois sont passés. J'avais complètement oublié. Et là, elle m'a appelé la semaine dernière. Et elle me dit, pasteur, tu sais quoi? Le jour que tu es venu, et je ne me rappelais même plus, le jour que tu es venu et que je t'ai demandé de prier, tu sais, depuis venant de l'Afrique, j'avais des maux de tête récurrents. Ça n'arrêtait pas de revenir. Je suis allé voir plusieurs médecins, on m'a dit qu'on ne trouve pas le problème. On a tout fait, on a même prié avec des pasteurs là-bas en Afrique. On a tout fait, j'ai vu n'importe qui, rien ne se passait. Et là, je suis arrivé ici, et quand tu es venu prier, quand tu es venu m'enseigner l'étude, je me suis rappelé, j'avais lu ça dans la Bible, cette même semaine-là, où le Seigneur a dit, et elle le citait vraiment, bon, elle sautait un mot, mais elle avait le principe derrière cela. Elle dit, si tu es joyeux, loue le Seigneur. Mais si tu es malade, tu t'avances et le pasteur va imposer les mains sur toi et tu vas être guéri. Et elle dit que depuis que tu as prié pour moi, je n'ai plus jamais ressenti. Il va le faire encore ici. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais plus même ce que je devais faire. C'était les annonces, voilà. C'était les annonces. Ce soir, tout le monde dit ce soir. C'est le dernier service de la conférence francophone 2017. Si tu as manqué tous les autres services, ne manque pas ce soir. Ça va être un service spécial. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va être spécial. Et la prédication, d'habitude le soir, ça va de l'anglais au français. Mais ce soir, ça va aller du français à l'anglais. Donc vous allez pouvoir crier avant les anglophones. Amen! Alléluia! Et nul autre que pasteur Abou va prêcher notre père. J'aimerais juste qu'il n'y ait plus de place pour s'asseoir ce soir. J'aimerais juste qu'il n'y ait plus de place pour s'asseoir. Parce que nous sommes en train de marquer une époque. Nous sommes en train de changer d'état. Nous sommes en train de passer d'un niveau à un autre, d'une génération à une autre. Et il y a une base qui est en train de s'établir. Amen. Amen. Alléluia. Donc, regarde ton voisin, dis-lui, tu dois être là ce soir. Oui. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et la semaine prochaine, nous retournons à notre calendrier habituel, donc, c'est-à-dire lundi soir à partir de 19h30, étude publique dans le sous-sol, le mardi, évangélisation à travers la ville. Nous allons être à l'église de l'Est pour l'évangélisation à partir de 19h, l'église de l'Est, l'église de Montréal-Nord, l'église de Saint-Michel, l'église de Laval. Je voulais aussi souligner une chose, j'allais oublier. Ça fait peut-être deux semaines qu'on a commencé à, on va dire,
un point de prédication à Pierrefonds chaque mardi soir. Il y a une étude publique qui se donne à Pierrefonds avec une moyenne de 20-25 personnes. Et moi, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Moi-même, ça m'a surpris. Bon, et j'aime ça. Alléluia. Donc, le mardi, pendant qu'il y aura les évangélisations dans ces endroits, il y aura études publiques à Pierrefonds, il y aura aussi également évangélisation dans les trois universités, l'université McGill, Concordia, l'université du Québec, à l'UQAM et à l'UDM. Et voilà, l'évangélisation de Pierrefonds, c'est plutôt samedi à 16h. Et voilà pour les groupes d'évangélisation. Et le mercredi, nous nous retrouvons ici pour l'étude publique de milieu de semaine. Le jeudi, c'est l'étude publique à l'église de l'Est. Le vendredi, J. Peignel, le groupe des jeunes francophones le plus hot sur la planète. Ils sont chauds, les J. Peignel. Peu importe ton âge, si tu vas là-bas, ils te rajeunissent. Donc si tu veux rajeunir, si tu veux paraître jeune, va à J. Peignel. Pasteur Lionel, il a le secret. Alléluia. Donc, vendredi, à l'église de l'Est, J. Peignel.